100 ans d'existence. Et puis, voilà, le Fosseleu dans les Corbières et le Minervois, c'est vraiment quelque chose, une tradition. Et quand tu es petit, à partir de 2-3 ans, on te met des chaussettes vertes et blanches et le short et tu joues au Fosseleu systématiquement. Et nos ambitions, vous savez, on est hyper prudents parce que quand on voit l'année dernière où on pensait que le championnat c'était à notre portée et la coupe aussi, on voit que la saison a été super belle pendant toute la période des championnats, demi-finales et finales, enfin jusqu'au final, et malheureusement on fait deux finales et on perd deux finales. Alors pour l'année 2018, on va rester humble. On sait quand même qu'on a un effectif qui monte en puissance et sur lequel on a quand même, et comme on est des compétiteurs, on sait qu'on souhaiterait jouer les premiers rôles, c'est-à-dire être dans les trois premiers du championnat de l'élite en rugby à 13. Les fédérations à 13, bien sûr, avec un président et des membres de son bureau qui font le maximum pour le rugby à 13, en sachant que c'est jamais évident. On est quand même une petite fédération par rapport à d'autres justement disciplines sportives, mais bon, ils essayent de mettre en place et de faire le maximum pour que le 13 se remette en valeur et qu'on puisse parler du rugby à 13 au niveau national. Et de faire passer le message et de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'on a une discipline qui est vraiment une belle discipline avec un sport d'équipe et qui mériterait d'être plus regardé, mieux apprécié. Et au niveau des médias, vous, je vous remercie d'être là ce soir, mais des médias nationaux, comme ça l'était à l'époque, montrer que le rugby à 13 a toute sa place dans un sport national et qui devrait être plus apprécié normalement. Il y a de plus en plus de personnes qui sont issues du rugby à 15, par exemple, qui viennent regarder la rencontre, comme dimanche dernier. Et j'en ai une personne qui a 66 ans, il m'a dit « Christian, c'est la première fois que je viens voir un match de rugby à 13, et bien, je me suis régalé ». Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire passer comme message et avoir de plus en plus de gens au stade pour se rendre compte que c'est quand même agréable de regarder du rugby à 13. Ah ben, toujours pareil, c'est les remercier parce que là aussi, comme je vous le disais, souvent quand les choses brillent, être sponsor des choses qui brillent, c'est quand même quelque chose de plus facile. Et quand c'est un sport, une discipline dont on parle un peu moins, eh bien, ces gens-là, ils ont encore plus de valeur que les autres pour moi. Un mot pour le week-end qui arrive, oui. Eh bien, je souhaite de tout cœur qu'il fasse beau temps. Il y a du monde, comme dimanche dernier contre la SEC, et de voir une belle rencontre, puisque quand même, bon, on a un effectif toujours pareil. Hein. Là, l'entraîneur me disait qu'il y avait des blessés, mais bon, c'est comme dans une équipe de rugby, hein. D'un dimanche à l'autre, il y a des blessés. Mais on sait quand même qu'au niveau du 13 catalan qu'on appelait à l'époque, puisque c'est les dragonnettes, c'est-à-dire c'est les jeunes des dragons catalans, où on sait qu'ils ont de la vitesse, on sait qu'ils sont jeunes et qu'ils font un rugby de qualité. Je pense qu'il va y avoir une excellente rencontre, on a intérêt à être très vigilant. Un mot qui symbolise notre équipe actuellement, je veux dire fierté. Amour. Défense. Bon, y en a plusieurs. Après, c'est comment dire, c'est un groupe qui a bien travaillé pendant l'intersaison. Mais un joueur, je veux dire, un deux qui sort un peu du lot en ce moment, c'est Lilian Humbert, qui a fait une bonne préparation, donc qui était sur le poste de centre et maintenant il est passé en deuxième. Et Ors aussi, qui vraiment cette année prend son rôle de troisième ligne à cœur. Voilà. Carcassonne Albi, Albi. Nous, bien sûr. Avignon, Villeneuve, Limoux. Yeah.
familles. Solidarité, grosse défense. Billy Slater. Parce que je trouve qu'il est complet dans tous les compartiments du jeu. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et voilà, il est habile, rapide, il est technique. Pour moi, c'est un exemple. Lézignan, Avignon, Limoux. Et qui continuent à nous suivre comme ils le font depuis des années. Et on va tout faire pour eux à chaque fois qu'on joue pour eux et on espère ramener quelque chose.